qui sont pas des Kinoom. Bonjour à tous, c'est Elkino, bienvenue pour cette découverte de Pay to Win, The Tricks Exposed, qui est un simulateur de... Je sais pas. Je vais baisser un peu le son. Je sais pas ce que c'est. Voilà, ça m'a été offert par Oiseau, merci encore. Et on est parti, je pense. J'ai peur. La face que tu viens de faire. Moi, j'ai plein de têtes. I am a game developer. Actually, I'm more of a businessman. My job is to use any tricks necessary to maximize the monetization of free to play games. I am not saying free to play games are always wrong. Neither am I saying that pay to win games are always wrong. However, I believe you, the player, should know on what you're spending your money. You are an educated, very smart person. You always seek the truth, even if it saddens you. This game was created for people like you. This game will not give you more joy than other games, because it was not designed to do so. I just wanted to give you a chance to think. Here is your money. Here is a secret of the biz model. The secret will be revealed at the end of this game. Let's begin. What? Just. I know you know the key very well. Mon Dieu. Oh merde. Talk to NPC 1 to receive a quest. Mon Dieu, non. J'ai pas moyen. Je suis pas en souris inversée. Je suis pas en QWERTY non plus. Ça va pas le faire. Je peux pas alt shift. Ah si, c'est bon. Ok. Bon. On n'a pas de menu option, c'est dommage. Ça existe pas, ça, Elki, les gens regardent et ils deviennent des kinos. Si. Le genre de lequel fait suicider et le pay to win. Non, mais c'est... J'ai plus envie d'aller stream. Mais va pas stream, Oxo, tu restes avec nous. Ok. Bon, pour l'instant, on note que c'est moche. Inventaire. Complimentary feather. Run speed. Basic armor. Basic sword. Le bonus spend va sûrement bien monter, ouais. Ok. M, map. Ok. Et E, interact. Je vais parler à l'avatar. MMOs are dead because they only copied each other. They only cared about monetization. Mobile did not kill them. This was a suicide. And now mobile games are tying a noose around their own necks. Even if they both die, their business model will linger on. Je pense que c'est un peu... Le son est comment chez vous? Il est bien? Moi c'était un peu fort donc je baisse mais... Ok. Il y a un chameau et un lion. Je peux taper et j'ai... Ok. Alt, show mouse cursor. Ok, d'accord. Bon, le son un peu fort, je vais baisser un peu. Hein. Voilà. Par rapport à ma voix. Ok, bah ça devrait être bon là maintenant, je pense. Salut. On va leur parler. J'ai pas besoin. Ah merci, non. J'oublie à chaque fois quoi. Pay to win. Pay to ça existe pas. Ils connaissent pas non plus. Payday, payload. Payday. Ok. Ok. Ça c'est fait. Je
trouve pas ça moche graphiquement. C'est vrai, c'est pas moche. C'est pas moche. NPC 2. What brings you here? Quest. Non. Talk. I received a lethal wound 3 years ago in battle. My head was spurting blood like a fountain, but the thought of being evacuated eased my mind. Leave. Je peux casser les boîtes. Je peux lui parler. Et il y a plein de slots d'inventaire à acheter. Hein, qu'est-ce que je peux? Expand your inventory slot. Non, j'ai pas besoin pour l'instant. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est acheter des compétences ou. Il est l'heure pour moi, je vous dis à plus tard. Ça marche, Oxwood. On est encore là jusqu'à 3-4 heures, donc n'hésite pas à passer après. Va stream. espèce de Oxwood. Je sais pas pour le gameplay, c'est pour comprendre. Oui, c'est pour comprendre comment les MMO nous arnaquent. Ok, il faut que j'aille chercher la quête en fait. Donc c'est bien par là. Hein. Je crois que j'ai vu un point d'exclamation là-bas. Hein. NPC 1. What brings you here, Quest? Bla bla bla, bla 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 bla. Who reads the dialogues anyway? It's pas faux. Just shut up and go to the quest area on the map, then kill 8 zombies. Then I let you see us use a skill as a reward. Donc, bla 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 bla. Qui est-ce qui lit les dialogues de toute façon? On s'en fout. Ferme-la et va taper, va buter 8 zombies et puis tu reviendras, je te filerai un skill. C'est énorme. Fun skills. Ok, j'accepte. I accept the quest. 08, ok. C'est par où? Ok, par là. Non, par là. Putain. La direction. Ouais, c'est par là, la direction générale. Suce aux zombies! Je peux pas sauter, ça m'énerve. Peut-être qu'il faut que je pourrais acheter le saut. C'est énorme! J'adore le principe pour l'instant, oiseau. Ok, les zombies. Aïe! D'accord. J'ai pas de barre de vie de toute façon. Contraint qu'il va y avoir les coffres qui tombent, il va me falloir des clés pour les ouvrir. Comment je peux pas les looter? Désolé aussi s'il y a des mouvements de caméra un peu étranges, c'est que je joue en caméra inversée habituellement et là c'est pas le cas, donc je suis un peu c'est un peu bizarre pour moi. Commande crack. C'est en métal les zombies en fait. Ok, j'en ai 6 sur 8. Les autres sont... Il y en a d'autres. Ah, une caisse. Okay. Je comprends rien au jeu. C'est un jeu qui dénonce tous les contenus payants dans les MMO. Voilà, c'est ça. En gros, tu démarres... et puis, voilà, c'est un MMO de base. J'ai loot du crap, ce qui veut dire de la merde, quoi. Et je peux acheter des slots d'inventaire, par exemple, tu vois. Voir ce qu'on pourra acheter après. Là. Mais il est pas pay to win, le jeu. Il est pay to play. C'est pas pareil. Ok, j'ai encore chopé plein de crap. C'est cool. Ok, je vais retourner au NPC 1. Ça ne fait que commencer. Tout à l'heure, j'ai rien fait, il m'a dit bonjour. En fait,
En fait, Jadalsi, c'est que Miyoka se base sur des... des informations qui sont envoyées par le chat IRC, en fait, de Twitch. Twitch n'est rien d'autre qu'un chat IRC. Du coup, Miyoka, qui est un bot, prend ces informations-là et fait que les rebalancer visuellement pour tout le monde. Du coup, et ben des fois, le chat IRC envoie des mauvaises informations, ou alors tu as une micro-déconnexion, par exemple, que toi, tu n'as pas vu, qui n'a pas fait de... Ah, tu n'as pas vu. Et Miyoka les a vus, par exemple. Là. Une micro-transaction. Tu devrais te donner des dollars. Je sais pas si on peut. Ouais, non, je pense qu'il est pas trop cher, ouais. Tu veux rapporter la quête? Tadam! J'ai chopé des compétences. Ouh. Ok. Je sais pas ce que ça fait. J'ai chopé un Early Stage Good Shield. C'est bien. On va mettre là. Your level is not high enough to equip this item. Elle est où mon XP? Il faut être... Niveau 4. J'ai du crap. Tiens, on va regarder si je peux acheter ça comme ça. Là. Add slots. Not enough gems. Do you want to purchase gems? Yes. Ok. Miyoka est clairvoyant. Une clairvoyante, c'est une fille. Get 90% off your first purchase. comment je fais pour me filer des dollars? J'ai pas de sous. Comment je fais? Il va me dire le jeu, je pense, non? Allez. Tu dois pas mettre des euros pour avoir les compétences? Si, j'imagine, des dollars ou des euros. On va continuer comme ça, en fait. Je vais me laisser guider, c'est bon. Premium Shop. Scroll of Poison Resist. Lightning Resist. Cold Resist. Ok. Talk. You may expect me to say something different every time, but I shall only repeat the same words. Plus de balance, anneau à droite. Anneau à droite. Attends. À gauche alors. Ah putain, c'est des plus. Je crois que c'était des gemmes. Ok. Ok, je pensais que c'était des gemmes en fait. Ouais, je suis riche. Je peux pas rester appuyé, non. Je peux pas rester appuyé, évidemment pas. Ok, ça suffit. On va s'ajouter des gemmes. Je vais prendre... Donc j'ai 30 dollars. Hein. Je vais acheter... plein de gemmes. Ok. Maintenant. C'est un glitcher, ouais. Maintenant... qu'est-ce que je fais avec ça, maintenant? Acheter... 50 gemmes. Acheter un slot d'inventaire, quoi. Premium Shop. J'ai pas besoin de... 50 gems aussi. Je peux grimper. Oh putain, c'est. Oh là là. Ok. Donc, on va aller à la quête suivante. Oh, on donne-toi 50. Ouais, on verra après. Je rajouterai s'il faut. Ah, mais c'est vrai qu'il y a la première transaction aussi, c'est ça?
Ah oui! Attends. J'ai même pas fait gaffe. 1120 à 1$. Hein. Alors que normalement c'est 10. C'est bien. Voilà. Vous avez pas vu. Putain, la quête elle est où? Je me suis ajouté des dollars en fait, des vrais sous-sous Twista, mais des faux en fait, pour acheter des faux sous-sous, mais en vrai. c'est toi qui me filais une quête? Non, c'est derrière. Hein. C'est toi qui me filais une quête maintenant? Ouais. Your level seems too low to equip some gears in your inventory. Try to become powerful enough to equip them. Reach character level 4 by hunting zombies in the area marked on the map and equip the early stage good sword, shield and armor. Ok. On va aller chasser des zombies alors. Continuez. Chouchou, Jadalsi, merci d'être passé et puis tu suis la chaîne, je crois, hein, Jadal. Si, moi, je pense que tu suis déjà la chaîne. Oui, il me semble. Merci d'être passé. Et puis, à la prochaine. Écoute, si tu veux repasser dans la soirée ou dans la nuit, on sera toujours là. Fidèle au poste. J'ai pas de vie, en fait. J'ai pas de vie, donc... Une erreur dans le programme. Non, Twista. C'est. il montre en fait les méfaits des microtransactions dans les MMORPG en fait. Où, par exemple, pour avoir de l'XP plus rapidement, il faut que tu payes. Pour avoir une épée de la mort qui tue beaucoup plus, il faut que tu payes, etc. etc. J'ai pas de vie chez Immortel. Ok, d'accord. Bon, c'est bon à savoir. Moi j'essaie d'esquiver les coups des zombies en fait. Faut que je... Voilà. Yo Forgeline! Mon dieu que c'est moche, c'est quoi ce jeu? Ça s'appelle Pay to Win, Forgeline. C'est le dernier MMO à la mode. Hein. Cool, cool Jadalsi. Ciao ciao Jadalsi, merci. J'espère que je vais trouver des boîtes. J'espère que je trouverai des boîtes où il faut des clés payantes pour à ouvrir. Parce que je déteste ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai looté? Weapon for other classes. Arme pour une autre classe. Donc en fait. Usable by all except knights, vu que je suis chevalier, bah voilà, super. Helmet for other classes. C'est génial. Tous les trucs que j'ai lootés, c'est pas pour moi. Effectivement. Parce que moi, mes objets, il va falloir que je les achète. C'est ça, hein. C'est dans la map, c'est ton ami. Bah effectivement, je vois ça, ouais. C'est ma super pote, la map. Elle est chiante même. Je pense qu'il va falloir payer pour avoir une meilleure map. Peut-être qu'il faudra payer pour avoir une map en haut à droite, non? Le mec a codé un RPG entier juste pour se foutre des RPG, mais ouais. C'est clair. J'adore. Ah, faut que j'essaye mes compétences. C'est nul. Ok. J'ai chopé l'autre truc? Non, bah non. Ah, faut que je zone faut que j'aille de zone en zone en fait. Putain, c'est... Je sais que c'est même pas exagéré, mais non, c'est clair. C'est clair que dans beaucoup de MMO, tu lootes pas des trucs pour ta classe. Comme ça. Par contre, il n'y en a plus, là. Respawn, quoi. Faut que je paye un truc pour que ça respawn, ou...
C'est des vraies arnaques qui arrivent dans le vrai jeu. Ouais. Ouais, bah oui, après, on peut pas dire arnaque dans le sens où le joueur sait en fait qu'il paye, tu vois. Et tu peux pas parler d'arnaque si tu peux apprendre la décision dans ton âme et conscience de quitter le jeu ou de payer pour continuer, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté Swotor par exemple. Pourtant, j'aimais bien. Mais quand ils sont passés free to play, il y a des objets que je pouvais plus équiper, il fallait que je paye pour pouvoir les équiper. Ça va pas, non. Vite à mission. Oh putain, j'ai... Bah, ma mission, oui. Equip the early stage. Je suis quel niveau en fait? Je sais même pas quel niveau je suis en fait. C'est bon là? Je suis niveau 4 là maintenant? Ah, je suis niveau 4, ok. Où est-ce que je vois mon niveau? Je suis déçu, ça a même pas changé ma tronche, quoi. Return to NPC 2. Même la musique est moins chiante que dans Squishy, en fait. Non, mais il y a un lion et un chameau, quoi. What? Bonjour, NPC 2. May the Lord bless you and keep you. Lecture 1. Give the user an item that is quite useful, but cannot be used right away. Force the user to work for the item, and the user will find the motivation to keep on playing the game. This increases the time spent on the game, which in turn increases the CCU. CCU is one of the statistics frequently referred to when evaluating the success of an online game. Donner un objet à l'utilisateur qui est très utile, mais qui ne peut pas être utilisé pour le moment. Forcer l'utilisateur à bosser pour pouvoir équiper l'objet et l'utilisateur va trouver la motivation de continuer à jouer au jeu. Ça augmente le temps passé sur le jeu, ce qui augmente le CCU, c'est concurrent user, c'est nombre de je crois, oui. Nombre de joueurs en même temps sur le serveur en gros. Et CCU c'est une des statistiques fréquemment utilisé, fréquemment référé lorsqu'on évalue le succès d'un jeu en ligne. KPI, Key Performance Indicator, Lexicon, various statistics that measures a game success. Pas forcément pour un jeu, mais bon, ouais. CCU concurrent user, number of users logged in at the same time, and AU active user, number of net users logged in the game during a certain period. DAU daily average user and yeah, monthly. Ah d'accord. KPI, c'est des stats qui permettent de mesurer le succès du jeu. CCU, le nombre de personnes en même temps qui sont loguées en même temps sur le jeu. Et des active users, c'est le nombre de personnes connectées pendant un certain. On en apprend des choses. Ouais. La musique est un poil forte toujours. L'ABC. C'est encore. Kuroma, bienvenue. Coucou. Ok, on continue. Évidemment. L'ARPU. Average revenue per user. Averaged sales derived from a single user. I.e. total sales divided by number of total users. Donc, le revenu moyen par utilisateur. Voilà, PU paying user, a user who purchased premium contents. Un joueur qui paye. Et l'RPPU, average revenue per paying user, average sales per user who has purchased premium contents. Le revenu, les ventes moyennes par utilisateur qui ont acheté du contenu premium. Je vais sur le train de continuer à jouer, je connais les 30 premières minutes, ça marche. Ok, on n'a plus rien avec lui. C'est fun. J'aime bien comme ça. J'aimerais bien sauter. J'ai envie de sauter. Il faut que j'aille là-haut. Waouh. Mes compétences sont magiques. J'espère bien que je vais avoir des nouveaux...
moyen de changer l'apparence de mes compétences. Ce serait bien. Il faut que je reparle à NPC 1, c'est ça? Hello, NPC 1. A boring item collecting quest. I am sure you have seen this kind of mission countlessly in other games. It's a quest the game designer can create without much thought. Go kill the skeletons and bring back quest items. Quest item B and quest item C. Oh, pardon. Bring back quest item A, quest item B and quest item C. Donc, faut que j'aille buter les squelettes et que j'apporte l'objet de quête A, B et C. En récompense, j'aurai une super random box. Can only be opened with a super key. Random items comes out. Cannot be sold, cannot be discarded. Donc je vais avoir une boîte qui s'ouvre avec une clé qu'il faut acheter évidemment. Et puis, sheet herb seed. Je sais pas ce que... Voilà. Oh putain, faut que je chope 5 objets de chaque. C'est vachement long. C'est vachement loin, il me faudrait un cheval pour arriver plus vite là-bas. Ah mais la boîte. La boîte. Ça c'est... des boîtes comme ça, j'en ai une chier dans Star Trek Online. Je les ai gardées pour le cas où, mais... qu'est-ce que tu... Et en plus, dans Star Trek Online par exemple, quand tu ouvres une boîte et que tu chopes un objet, un super objet dans la boîte, ça envoie un message à tout le monde sur le serveur qui dit « Machin a réussi à découvrir le tel truc dans la boîte GG !» C'est vrai que c'est un peu long. Salut les squelettes. Oh le spawn. On se croirait dans Grimrock. Je sais pas si ça fait quelque chose de ma compétence en fait. Voilà. Not enough space in the inventory. Add space. Là. Yes. Ça marche, Fergeline, à toutes. Ciao, ciao. Ok, j'ai plein de quest items. C'est la teuf. Ok. Return to NPC 1. Dans le bon sens, ouais. C'est quelque chose comme jeu quand même. Je connais des gens qui t'expliquent que c'est hors de question de payer le moindre abo pour un MMO qui ne se rendent pas compte qu'ils claquent une bonne centaine d'euros par mois dans les free to play. Mais non, mais c'est clair, mais c'est clair. Mais c'est clair, par-ci. Et c'est évident. Moi, je préfère un MMO avec abonnement. Enfin, j'ai toujours préféré ça. Après, bon. Tu vois, tu prends par exemple... Il y a un jeu que j'adore, c'est Lotro. J'ai eu un abonnement et... Tiens, mon PC 5 en fait, c'est pas lui qu'il faut que j'aille voir, je pense que c'est le... Non, c'est toujours le 1. Lotro, j'y ai beaucoup joué à Lotro. Lord of the Ring Online, pour ceux qui connaissent pas l'abréviation. Et le jour où ils sont passés free-to-play, bizarrement... Il a fallu que j'achète les quêtes. Des quêtes que j'avais déjà fait avec d'autres persos en fait. Je pouvais plus les faire avec les nouveaux persos avec mes rerolls. Il a fallu que j'achète les quêtes quoi. Pack de quêtes. Quoi ? Bon, ça va bien que j'aime beaucoup le jeu, mais bon. Voilà, au début c'était abonnement quoi. Mais d'ailleurs, l'autre, ça fait. J'y retourne de temps en temps et peut-être qu'il y en aura un petit peu sur la chaîne d'ailleurs à l'occasion. Sur ArcheAge qui est pay to win, j'ai dépensé 2 mois d'abonnement maintenant, je suis self-sufficient pour payer l'abonnement avec l'argent en jeu. Ah oui, comme du Eve en fait. C'est cool. Hein. Mais bon, il faut pouvoir jouer longtemps quoi. Combien de personnes sur un MMO sont dans ton cas en fait? Tu vois? Lecture 2. Give out generously but always... Oh, pardon. Always ensure there is some sort of deficiency. Persuade the user...
that such deficiency can be compensated without cash. As long as they play diligently, that is how you avoid getting flamed. Donc, apportez généreusement, mais toujours... Non, donnez généreusement, mais assurez-vous toujours qu'il y ait quelques déficiences. Persuadez les utilisateurs que ces déficiences peuvent être compensées sans argent. Et tant qu'ils payent, c'est comme ça que vous pouvez éviter d'être flamed. Entice them towards the first, their first purchase. Entice the users towards their first cash conjunction, no matter what. Hosting a first purchase sales event is commendable. Give out sales coupons. Dull their senses regarding the purchase by handing out bonus cash. As a drastic method, you can also sell everything for $1, 0.99, during a limited period. Alors bref, voilà, faut leur donner envie d'acheter, etc. Un peu même sushi, ouais, avec The Secret World, j'imagine. C'est juste excellent. Là, on peut passer le stream type en talk show car on parle de pay to win. Ouais. C'est que toi, si t'achètes que le jeu de base, t'as de quoi faire. Hein. C'est pas du tout un pay to win, ok. Je peux dire ça, mais t'as quand même des packs de scénars. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre d'acheter ces quêtes en fait. J'ai jamais essayé moi Secret World. Why? Once a free user becomes a paying user, they tend to spend money more readily. The initial purchases becomes a sunken cost that forces the user to become more attached to the game. The higher the sunken cost, the harder it is for a user to leave the game. Une fois qu'un utilisateur devient un utilisateur payant, ils ont plutôt ils tendent à acheter plus d'argent après. Ouais, blabla. Après, c'est super, c'est du marketing. Quoi. You need a super key to open the super random box reward. Super key can be purchased at the premium shop. To visit the premium shop, go talk to the NPC. Je veux une super clé. To purchase the super key, open your inventory. On va prendre 3. Right click the super random box. Quest completed. Good boots. Niveau 5. Je suis déjà niveau 5. Je sais même pas quel niveau j'ai en fait. Si vous avez vu quel niveau j'ai. C'est comme Dungeons & Dragons Online. Tu peux rien faire si tu payes pas. Ça, c'est moche quand même. Les packs payants, t'en as un tous les 4 à 6 mois, c'est pas un gouffre. Ok, ouais. Tiens, je peux déplacer ça, c'est cool. Comment je vends mon bordel? Tiens, je l'ai pas mis mon casque. Strength 4. Et Agility Necklace, je vais mettre aussi. Le reste, c'est de la merde. Ok. Tu me refiles une quête? Yes. The process of potion making. Craft 3 quest potions by collecting materials. This is a quest the game designer can whip up easily. Collect the materials in the area marked on the map, then come back to me and use crafting to create 3 quest potions. You will need to gather 3 important ingredients, 3 bulb berries, and 3 sheet herbs. The important ingredient can be gained by hunting Goblin 01. The bulberry by gathering, and the sheet herb by farming. Okay? D'accord. Ouais, oiseau, ouais. Je fais de bon courage pour le live, bonne nuit. Ciao, ciao, Nico. Comment ça, bonne nuit? Ça va, il est pas... Nico, merci d'être passé et puis à la prochaine. De toute façon, on sera encore debout à 3h. Hein. Alors, la map. Ah mais non, attends, il y a un autre truc là-bas. Je
j'ai pas tout pris. Je suis abdé dans le vide, je connais les mémos. Crafting, non? Pourquoi est-ce qu'il me... j'ai une autre quête. Ah non. Nico est faible. Apparemment, c'est pas votre cas, mais j'ai toujours été contre ce principe. Le principe de pay to win, mais tout le monde est contre ce principe. C'est ce que le jeu défend, juste... enfin, attaque plutôt, pas défend. On va aller par là. Évidemment, normalement, t'es pas censé... c'est censé t'enlever l'envie de jouer à des mémos. Non, c'est censé m'enlever l'envie de jouer à des pay to win. Et de toute façon, j'ai jamais eu envie de jouer à des pay to win. À partir du moment où l'argent donne un avantage en jeu, autre que du cosmétique, mais j'ai pas envie d'y jouer, quoi. C'est pour ça que j'aime bien genre de jeu type Path of Exile. Ce jeu est entièrement gratuit et ce que tu peux acheter, c'est uniquement du cosmétique. T'as rien qui te permette d'XP plus facilement, t'as rien qui te permette d'être plus balèze, t'as rien qui te permette d'avoir des compétences différentes des autres. Je sais pas comment farmer. Use for farming? Réaliser que c'est de l'arnaque. Ah bah oui, non mais oui. Arnaque, non. C'est pas de l'arnaque, parce que l'arnaque, c'est vraiment quand le mec qui paye pour quelque chose qui souhaite, enfin, qui veut pas, quoi. Enfin, si, c'est de l'arnaque. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé d'y jouer. Ça peut pas être de l'arnaque. T'es pas obligé d'y jouer. Y a beaucoup de personnes qui ont joué. Ouais, mais attention, Twista, un MMO et pas forcément pay to win. Parle au fermier. Yes. Farming. Drag and drop the seed. Ok. GG. Donc voilà. Une heure pour faire grossir mon truc. Et 1200 gemmes. Énorme. Il m'en faut combien? Il m'en faut 3. J'ai plus de sous. Je joue qu'à des mémos à beau ou alors pay to play. Putain, j'ai plus de sous. Chier. Ouais. Ah là. Putain. Vite, vite, vite. Achetez. 50 dollars de plus. Avec le bruit du ding derrière, ouais, c'est génial. Je connais pas bien ce genre de jeu car il m'a semblé que la plupart des jeux qu'il fallait payer pour tout, jamais été plus loin. Non, il y a des MMO qui prennent pas les joueurs pour des vaches à lait forcément. Après, il faut toujours payer quelque part. Un MMO c'est différent, t'as des serveurs à entretenir aussi, tu vois. Donc c'est normal qu'il y ait un abonnement par exemple, c'est normal qu'il y ait moyen de récompenser les développeurs aussi, tu vois. Faut payer des gens, faut payer les serveurs, faut payer les gens qui s'occupent des serveurs. Les serveurs, c'est de la technologie, c'est du matos qui peut tomber en rade. Donc voilà, ça. Hop. J'ai mon troisième. Donc après, voilà, ce que le jeu attaque, c'est effectivement que il y a un peu trop de choses comme ça, quoi. Tu vois.
Mais rien ne t'empêche, par exemple, pour le craft, de d'attendre une heure pour avoir ton objet. Maintenant, là, c'est un peu poussé à l'extrême. Hein. Je vois très peu de quêtes au niveau 4 où il faut attendre 3 heures pour pouvoir finir ta quête. Il y a des limites, quoi. Yo Osiris, coucou, bienvenue. Tu devais passer en ce genre anniversaire. Eh ben cool. Cool, je suis content de te voir ici. On est en train de tester un jeu qui se moque des MMO pay to win. World of Warcraft par exemple. Ce n'est pas un MMO pay to win, il y a un abonnement. Donc tu vois, Twista, tu peux payer juste, je sais pas, c'est 13€ par mois. Et t'as tout le contenu du jeu. Bon. Il y a des extensions aussi qu'il faut acheter, mais bon. Après qu'on aime ou qu'on aime pas World of Warcraft, il faut que j'aille super loin. Comment ça va, Osiris? Je suis pas contre un modèle payant, mais il faut juste que ce soit pas que ce soit invasif. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Putain, c'est super loin. Et il n'y a pas de mob. Hein. Là, par exemple, là, ça serait marrant qu'il fasse genre... Si vous voulez spawn des monstres, payez 100$. Ce serait cool. World of Warcraft, par exemple, je pensais qu'il fallait payer pour tout. Non, non, non. Tu payes 13... En fait, c'est un MMO qui a... Il a quoi? Il a 15 ans maintenant? Je sais même plus. Tu achètes le jeu, et après tu payes un abonnement mensuel. Et après, à chaque fois qu'il y a une extension qui sort, qui apporte du nouveau contenu, tu achètes l'extension. Et tu continues à payer ton abo. Mais sinon, t'as pas de... Ce qu'on appelle les microtransactions, c'est ça, en fait. C'est acheter de la monnaie virtuelle. Tiens. Là, y a pas. Plus gros arnaque de l'histoire va arriver. Elki, prépare-toi. Ok. Je me prépare. C'est pour ça que... Pay to win, c'est vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu payes pour gagner. Et ça, moi j'ai toujours été contre et je pense que tout le monde l'est quoi. Après t'as les buy to play, t'achètes le jeu pour jouer. Un modèle comme ça. Ce jeu-là, World of Warcraft, c'est juste pour les serveurs. Ce que tu payes, ouais c'est ça. Ah, c'est pour les serveurs, c'est pour les développeurs qui apportent du contenu tout le temps. C'est pour le support client, c'est pour... Il y a plein de... Il y a des gens qui bossent derrière, en fait. Hein. Il y a plein de gens, mine de rien. Ok, salut les gobs. Donc normalement, je devrais avoir des important ingredients sur eux, c'est ça? Du clic. Important ingredients. Ok, GG. Armure rare. Force 3. T'es là. Oh yes, armure rare, je la mets. Ah, ça marche. Hein. Et. Ok. Ok. Le micro qui vole dans le vide, il est magique. Ouais, ouais. Il peut encore voler. J'ai ma main trouée. Ok. Regardez voir s'il y a des trucs. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a grand chose ici. Je peux pas casser les pots. Bon, on va rentrer alors. Oh, je peux sprint. J'ai oublié. Ça va beaucoup plus vite en fait. Oh. Il faut que j'aille à l'autre truc. Qui est par là. Zin. Ça aurait été pas mal quand même qu'ils mettent une petite boussole avec une flèche pour indiquer où aller plutôt que de regarder la map à chaque fois. Sauf que c'est peut-être payant en fait. Les baies. Ouais, les baies, ouais. On va chercher les baies. Oups.
Ah, mais si c'est encore pour les gobes, peut-être. Et les baies, en fait, faut faire quoi déjà? Y a pas de journal. Hein. Faut les gather, faut les récolter. Elles sont où du coup? Elles sont pas là? Ah non, j'ai pas l'impression. Ah si, là. Ok. Ok. J'ai des baies. Maintenant, craft 3 quest potions, on retourne. The free trial period for the complimentary feather has expired. You can only run fast when you have a permanent feather. We know that you're accustomed to the previous running speed by now. Donc, la période d'essai. En gros, le sprint que j'ai utilisé était gratuit pendant quelques temps. Et là, maintenant, eh ben, il faut que je l'achète si je veux aller aussi vite. Voilà. Si je veux aller vite comme ça, il faut que j'achète. Sinon, je me traîne. Ouais, c'est énorme. J'avoue, c'est énorme. Mais ça, par exemple, c'est un truc qui... C'est effectivement, ça donne envie. Ils ont donné envie aux joueurs. Ils ont donné goût aux joueurs avec ce truc-là. Et maintenant, tout le monde... Enfin, le joueur veut pouvoir toujours courir aussi vite. Donc, il va l'acheter, quoi. C'est normal. Mais c'est... Ça, c'est pas... À moins que ça soit utilisable en PVP pour courir plus vite que les autres, c'est pas du pay to win. C'est une pratique, certes, qu'on peut aborder, mais moi, ça me choque pas plus que ça, en fait. Du coup, c'est un acte de l'histoire. Tu me l'avais dit, ouais. Tu me l'avais dit. Moi, ça me choque... C'est agaçant, je comprends, mais... Ça veut pas dire pay to win, quoi. C'est alluvien, c'est ça. What? Faut que je crafte les... Ça l'est un peu? Parce que tu peux XP plus facile, plus rapidement que les autres? Déplacer. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Te déplacer plus vite sur un champ de bataille peut être un énorme avantage en tant qu'envoi la victoire. C'est ce que je dis à Renoir. Si cette vitesse n'est pas utilisable en PVP, t'as pas écouté tout ce que j'ai dit. Si c'est pas utilisable en PVP, ça me choque pas. Si c'est utilisable en PVP, oui, c'est complètement ridicule. D'accord. Faut que je crafte, mais faut que je retourne au fermier, c'est ça? Ah non, faut peut-être que... Non, il faut que je crafte auprès de l'autre, en fait, c'est ça. Il me semble que j'avais vu un menu craft. Coucou Inuptia, bienvenue. Hop, crafting. Drag and drop the materials. Oui, monsieur. Hop. Hop. Évidemment. Take it, ok. Évidemment. Évidemment, pareil que tout à l'heure, hein, ça dure... Je reconnais que c'est énervant et que... Tu prends des notes pour ton jeu. je reconnais que c'est chiant, hein, mais voilà. Pas obligé de le faire, quoi. Ça, c'est un peu poussé aussi, encore une fois. Casque rare, je veux bien. Lecture 3. Time is money, so sell time. Modern games sell time, not fun. Users and exploit their impatience. This trend is notable, especially in mobile games. The more impatient the user becomes, the higher the game sale becomes. Is such a business model acceptable? Do these types of contents truly contribute to the game fun factor, or are they just a cash scheme? Do you feel joy when you buy time? Remarque 2 après.
Peut-être. Ça fait combien de temps qu'on est sur celui-là là? Je pense que ça doit faire 45 minutes, un truc comme ça. Donc, et il nous reste. Nekopara, faut attendre King Kill. Il nous reste. Longest Journey, Nyan Cat. Et. Spoiler alert, as well. Pardon, en français, ça voulait dire que, en fait, ils disent qu'il faut vendre du temps aux utilisateurs. C'est-à-dire que. Et qu'ils font pas des jeux fun, mais des jeux qui exploitent le facteur temps. C'est-à-dire que. Eh ben, tu t'amuses plus quand les choses sont faites plus rapidement. Parce que, au final, tu vas pas t'amuser si tu dois traverser tout un désert à vitesse d'escargot, quoi. Du coup, ça dénonce le fait que. Eh ben, ils vendent du temps, quoi, en gros. Désolé pour ceux qui parlent pas anglais. C'est la faute à Oiseau qui achète des jeux en anglais. Toi, tu veux Nyan Cat et après Nekopara. Je sais pas. Nyan Cat, ça peut être pas mal. Il nous reste combien de temps? Dans 5 minutes, il nous restera 4 heures. 4-5 heures. Je fais une petite pause après ça aussi. Ok, de rien, un Twista. Ok, on a une autre quête là-bas. Donc la plume, elle est où? C'est ça en fait, ce qui nous fait aller plus vite. Run speed plus 16. Test de course plus 16. Quelle idée d'acheter des jeux en anglais, Oiseau? C'est scandaleux, mais c'est clair. West. Hurry! Go to NPC 1 right now! You will know why when you do. Dépêchez-vous, allez vers le NPC 1, le PNJ 1. Vous saurez ce qui se passe quand vous l'atteindrez. Ok. Vite. Hurry. Hurry. Donc là, t'as pas fait ça, Oiseau, c'est ça? T'as arrêté ici. Go ask NPC 3 what the urgent matter is. It's truly urgent. Va demander à PNJ 3 de quoi il s'agit. C'est vraiment urgent. Ok. Il est où NPC 3 Ah, j'adore. C'est exactement ça, quoi. Ah, NPC 4, là. NPC 3. Il est où NPC 3 Putain. Je maintiens qu'ils auraient pu mettre le radar, quand même. Il est là, hein. C'est le fermier en fait. Ouais. I think NPC 1 can tell you what this is all about. Why? Does it matter? Je pense que le PNJ 1 peut vous dire ce qui se passe. Pourquoi? On s'en fout. Je remuche encore AFK. Remuche. Bonne AFK. Je suis québécois dans un pays où l'anglais c'est la langue natale de 95% de la population. Je sais. C'est quoi ce jeu où le gars court comme une gazelle et les PNJ sont numérotés? C'est relou le manque de boussole, ouais, Osiris. Ça s'appelle, Inuptia, ça s'appelle Pay to Win. C'est un jeu qui montre les côtés vénaux, on va dire, et marketeux des jeux, des MMO qui sont type Pay to Win, en fait. Où tu dois vraiment payer pour gagner. Bon, allez. Voilà, quelle stratégie ils utilisent, etc. Donc, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec le gameplay, la beauté du jeu, tout ça, c'est. On s'en fout un petit peu, c'est vraiment pour dénoncer ce qu'ils font. Voilà. Yes, now I remember. Go hunt 10 goblins for me. Oui, maintenant je m'en souviens. Allez taper 10 gobs. Ok, on va aller taper 10 gobs. Voilà, les gars se sont fait chier à dev un jeu parodique, effectivement. Et puis, ben... Il est pas si moche, hein. Dire, il y a pire. Les animations sont... C'est ce que je reprocherais le plus, si je devais juger les graphismes. C'est fun, effectivement.
une idée de combien de temps il dure? Parce que si ça se trouve, en fait, vu le sujet, si ça se trouve, ça se finit bientôt, en fait. Faut que j'aille buter 10 gobs. Putain, c'est loin, hein. Et ils l'ont plutôt bien réussi, leur parodie, effectivement. Oh non, les gobs ne sont pas là. Putain, pourquoi ils sont pas là? Parce que je suis pas au bon endroit. Putain. Chier, quoi. Une boussole, je peux passer, là? Oh. Je sais pas. Ok. Voilà. Yeah. Ah bah, les gobs. Tiens. Tiens. Prends ça. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? 3 à 4 heures. Ah non, d'accord, on va pas le finir maintenant. Là. Ah, c'est vrai, parce qu'il doit y avoir les... Il doit y avoir les boss et tout. Ok, j'ai buté 10 gobs maintenant, je suis content. Et on va retourner au NPC par là. Ça sent franchement l'Unity de par les mèches. Ouais, bah, en fait, il y avait le gros logo Unity au début à noir. Je crois. Me semble. À côté de Two Worlds, je le trouve présentable. Ok. Le dernier Dreamfall. Dreamfall est sous Unity, il est loin de paraître. Non, mais Unity, c'est pas. C'est pas moche. Mais il est pas laid non plus, ce jeu, hein. Au final, il est fait rapidement. Probablement. Je trouve pas ça super laid, moi. Il y a des jeux très très bien qui sont faits sous Unity. Au final, c'est pas le... C'est le jeu qui importe et pas forcément les graphismes. Ok. Good work. Kill 30 orcs. Do you need a reason to do so? Was the story ever important in an MMORPG? Hush and leave right now. Bon boulot, maintenant on va buter 30 orques. Si t'as besoin d'une raison pour faire ça, est-ce que l'histoire a jamais été importante dans un MMO? Bah, tais-toi et va-t'en maintenant. Ok. J'ai chopé mon super rare helmet. Comment je peux vendre mes trucs? On peut vendre? Ok, non, non. Est-ce qu'il y a un marchand qui vend? Sinon, Ori and the Blind Forest est fait avec Unity. Bah voilà, tu vois. Ori, il est génial. Il est super beau comme jeu. Donc, voilà. Espace de commentaires, effectivement. Two World est le jeu où rien que le doublage est fait par des marshmallows atrophiés. Un soir de grillade bien arrosée. Alors, Mishmush. Two World, j'ai joué au premier, je l'ai fini, j'ai joué au deuxième, je l'ai fini, et j'ai joué à un autre, et je les ai finis tous, et j'ai bien aimé, mais je les ai pas joués en français, et je dis pas que les jeux sont fantastiques, mais voilà, on va dire que ça remplace un Skyrim quand t'as pas Skyrim, quoi. Moi je l'ai Ori, mais je peux pas le faire parce que Noah l'a pas fini et je veux pas que je spoil. Ouais, en VO Two Worlds, ouais. Ouais, ouais. La version française, je l'ai pas vue. Je crois qu'il y a qui kiffe les MMO. Two Worlds, c'est pas un MMO, hein, c'est un open world RPG, quoi. On est tout seul. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Des orques. Ils sont là, les orques, normalement, non? Rien. Ils sont là. Yeah! Bonjour les orques, ça va? Faut que j'en bute 30. Mais c'est bon, ça va tomber vite. Moi j'ai déjà cassé deux manettes et mon poignet. Mon dieu. Voilà, moi je l'ai joué moins de 10 heures, c'est joué, mais franchement, ouais. Ok, bah après, chacun son. Son trip, hein. Moi j'ai bien aimé. Je sais pas.
C'est une série française au mieux, d'accord. Mais moi, ça fait trop longtemps que j'attends d'y jouer à Ori. Je l'ai, hein, en plus. À chaque fois, il me fait de l'œil. J'ai envie d'y jouer. Ouais, si Renoir me donne sa bénédiction, on fait du Ori, hein. Peut-être pas ce soir. Je tue des orques. It has been 2 hours since you played the game. Your fatigue is 50%, so all your experience and gold are divided by 2, j'imagine. Enough is enough. Donc, vu que ça fait 2 heures que je joue au jeu, enfin, je pense que c'est pas vrai. J'espère pas. Ils me disent que mon XP est divisé par 2. Je pense le gain d'XP est divisé par 2. Delay the content consumption. If there is nothing new, the user will leave. Remember the basic loop of the free-to-play games and repeat similar content suitably. Action, upgrade, reward. Movie-like story and skin losses its luster once it has been consumed. Put in meaningless repetitive quests, puzzles or chance games. Alors, leçon numéro 4. Délayer la consommation de contenu. S'il y a rien de nouveau, l'utilisateur va partir. Rappelez-vous que la boucle basique du jeu free-to-play... Rappelez-vous de la boucle basique du jeu free-to-play et répétez des contenus similaires de façon adéquate. Action, amélioration, puis récompense. Les histoires de type film et les scènes perdent de leur intérêt une fois qu'elles ont été consumées, les scènes cinématiques. L'idée, c'est de mettre du contenu, des quêtes sans intérêt, répétitives, et des puzzles et des jeux de hasard pour que le joueur reste, en fait, et soit accroché à des nouveautés. Sometimes the fatigue system is implemented to stop users from overindulgence in games, and it's also a great way to delay content consumption. The funny thing is, in some games, you can spend cash to recover fatigue, which was meant to stop overindulgence. Parfois, le système de fatigue est implémenté afin d'arrêter les utilisateurs de... Je sais pas ce que c'est overindulgence. J'avoue. C'est aussi une très bonne façon de ralentir la consommation de contenu. Chose marrante, dans certains jeux, vous pouvez dépenser de l'argent afin de récupérer, enfin de diminuer la fatigue. Et ce qui signifie arrêter l'overindulgence, je sais toujours pas ce que c'est. Ça m'apprendra à vouloir level up comme un Rockstar, ouais, effectivement. Je comprends pas où ta barre de PV. Alors, Osiris. Osiris, c'est vrai que tu viens d'arriver, j'ai pas expliqué. J'explique en fait. Manage the communities. Even if a game lacks content updates, it won't survive for long if there is an active community. This is why game companies focus on managing users in forums and Facebook fan pages. They also encourage clan activities and hold tournaments. Users who wield great influence in communities should be given many benefits. Gérer les communautés, c'est... Même si un jeu n'a pas de mise à jour de contenu, il survivra assez longtemps pour s'il y a une community active. C'est pourquoi les entreprises se concentrent sur la gestion d'utilisateurs, sur les forums et sur Facebook, enfin les réseaux sociaux, quoi. Ils encouragent aussi les activités de clan et créent des tournois. Les utilisateurs qui ont beaucoup d'influence dans ces communautés devraient... on devrait donner des avantages aux utilisateurs qui ont une grande influence sur ces communautés. Donc Osiris, en fait, ce n'est pas un vrai MMO,
C'est un jeu qui est là pour dénoncer les... Le comportement vénal de certaines entreprises qui prennent les utilisateurs pour des vaches à lait, en fait. Donc, on est en train de voir tous les systèmes qui sont utilisés par le marketeur, par le marketing, pour faire cracher les utilisateurs, en fait. Typiquement, par exemple, on a vu la boîte, le coffre que tu lootes et qui ne s'ouvre que si tu achètes une clé avec des thunes. Donc voilà. Overindulgence, indulgence excessive. Ouais, mais indulgence, en fait, je... C'est, en fait, c'est... Ouais, voilà. Attention. VIP pass. Purchase the VIP pass at 700 gems. 700 gems pour acheter le pass VIP. Et ici, login pour avoir des... Donc voilà, c'est ça. C'est genre... Tu cliques sur la bannière, tu arrives sur Facebook, il faut te connecter, etc., etc., etc. C'est un beau concept, ouais. Trop confiant. Ouais, c'est peut-être ça. Oh bah bref. Il est quelle heure? Ça, on va pas tarder à l'arrêter, là. Et à passer sur autre chose. On va ramener la quête, parce que quand même... on a chopé des super trucs. VIP pass, il me le faut. Pas de soucis, je comprends que tu percutes pas ce qui se passe. C'est pas le premier, il y avait Nupsia tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est vrai qu'il court super vite, hein. Même plus vite qu'une monture sur WoW, je crois, hein. C'est ça. Par contre, on peut pas sauter, ça c'est nul. Bah oula, à droite. Tu peux pas passer sur autre chose, tu viens de mettre $75 dans ce jeu. Ouais, mais bon, quand même. Alors, j'ai chopé un anneau d'intelligence, une épée rare et des gants rares. Nous allons équiper tout ça. Je peux pas mettre mon autre anneau en même temps. Des gants rares. Et une épée rare. Ça ne change évidemment pas notre apparence, ce serait trop bien. L'indulgence, c'est le fait d'être prêt à pardonner, mais je vois pas le rapport avec le texte de base. Bah moi non plus, en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Quête. Your first PvP! Du PvP! C'est ça le jeu pay to win? Attends, c'est une parodie de jeu pay to win, Mishmish. Ce n'est pas un vrai jeu, pay to win. Je ne dépense pas d'argent. Vraiment. PvP is the core of MMORPGs. It is not amazing that you can fight PvPs in this game. Is it not amazing that you can fight PvPs in this game? I've prepared an opponent for you, so go out and duel. Go to the area marked on the map and fight PvP. Et je vais choper une épée à louer. Trop bien. Win a PvP match. Ok. Ils ont même pensé au PvP, ouais. Mais c'est pour ça que je pense que c'est pas possible qu'il dure 4 heures, ce jeu. C'est pas possible. C'est par là, ouais. J'espère bien, sinon faut en un champion. Ouais. Ah ah! Slayers, you cannot best me. I may be lower in level, but you cannot win. Donc voilà, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est un... On fait un combat PVP. Il est plus classe, son armure, je veux la même. Oh genre. What? Abusé. Abusé. Pourquoi je suis mort, hein? J'ai perdu mon premier combat PVP. Qu'est-ce qu'ils vont me faire là? Ah, return to NPC 1, pardon. Ouais. Tué par un cocu à grosse cornue. Overindulgence, abus, consommation excessive, le mec s'obstine à con. Ah, d'accord. Ok, merci, Nimsia. Et ben voilà.
cool. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Ok, salut NPC 1. Well done, but not enough. How about reinforcing your weapon? I will give you a sword and a box full of items needed to for reinforcement, so try it out. When this sword reaches level 10, it transforms into a rental to a permanent weapon, so try to reinforce it to level 10. If your weapon breaks during reinforcement, or if you run out of reinforcement materials, you can always purchase them at the premium shop. Voilà. Et ça, c'est typiquement le truc qui me dégoûte. Ça, ça serait parfaitement le vrai pay to win. L'objet pay to win, c'est que tu achètes une épée qui va te faire battre les autres, qui va te rendre plus puissant. Blah. Blah. Reinforce a rental sword to level 10. If you fail at reinforcement and the sword breaks, you can purchase it again. When you reach reinforcement level 10, the item's time limit disappears and it becomes a permanent item. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, en gros, on me file une épée qui est une épée à louer. Et il faut que je la renforce jusqu'au niveau 10. Je sais pas trop comment. Probablement en jouant au jeu. Et je pourrais la garder. Et sinon, au bout d'un certain moment, eh ben, je vais devoir la racheter. Avec des vrais sous. On peut casser en plus. Mais... Donc, voilà. Bref, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et j'ai un cadeau. Reinforcement box. Provides various items necessary for reinforcement. Cannot be... Ok. Okay, je fais clic droit. Oh. Reinforcement stone. Donc il y a besoin de pierres de renforcement, il y a besoin de scroll de renforcement. Et ça, c'est un objet qui permet d'avoir 25% de chance de plus de réussir le renforcement. Player 2 has reached reinforcement level 10. Et ça, voilà, c'est ce que je disais, ça s'affiche sur l'écran comme ça, au milieu. Comme ça, les gens sont là. Oh non, ça veut dire que c'est possible. On peut y arriver. Elle est juste cosmétique, promis. Donc voilà. Et c'est bien foutu. Hein. Comment je fais? Je fais clic droit, non? Reinforce to level 10 to transform into a permanent item. At level 12. Je sais même pas à quel niveau je suis en plus. Ça, c'est merde. Dommage 55. Non, je peux pas l'utiliser. Le jeu rageant, mais c'est clair. Est-ce que je peux... Je sais pas, genre... Non. Bon. Bref. On va s'arrêter ici. Encore une fois, merci, Oiseau, de nous avoir fait découvrir ce jeu. C'est plutôt rigolo. C'est plutôt fun. Oh non, Player 3 has reached reinforcement level 10. Non. Je suis à la bourre. On va s'arrêter ici. Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, c'était Telkidou et c'était Pay to Win, une parodie de MMO Pay to Win. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.